Bon, je crois que je suis sur le chemin du Rouet là. Et ici, l'embranchement, c'est juste après la plage à 200 mètres. L'embranchement pour remonter par le vallon de Jaume, là. Et je retrouverai la plaine du Romaron tout en haut, à peu près au pylône où j'ai tourné tout à l'heure. Alors après une rude montée, juste après le petit pont là, chemin du Rouet, je retraverse la voie rapide. Vous voyez que c'est pas du tout le même tunnel. Hein. Celui-là on peut y passer en voiture que l'autre. Deux de front en vélo, ça passait pas. Bon, par contre, sur toutes les traces que j'avais vues, ce que je suis en train d'emprunter là, c'était en descente. Et je commence à comprendre pourquoi. Ça montait vraiment raide. Et là, après le tunnel, je n'ai pas du tout commencé. Oula, c'est drôle dans l'image. Voilà, rendez-vous au sommet tout à l'heure. Dur d'arrêter. Et donc la fin du vallon de Jaume. Je ne suis pas encore en haut. Hein. Voilà, c'est la fin du vallon. Le vélo est là derrière. Je vais juste là-haut. Pareil, un coin que je ne connaissais pas du tout. La voie rapide en dessous là. Le chemin que je viens de prendre, le vallon. Voilà, on verra mieux. La voie rapide, c'est le trait blanc en travers. Voilà, avec le fond du vallon. Et la mer et les îles en face. Marseille. Je vais m'en approcher normalement de la voie rapide, je vais y passer juste à côté. Effectivement, de cette voie rapide, juste avant la descente de Carry, on voit une barrière sur la droite. Et bien, je vais passer juste là, je pense. Et donc, retour à la case départ. Le poteau où j'ai bifurqué tout à l'heure. Pour descendre là, dans le vallon du Bonjean, toute la route que j'ai faite, et je viens d'arriver par là. Et je vais en direction de l'antenne là-bas, Valtrède et Maison. Alors les vidéos là pour Valmejeanne et Vallon de Jaume, c'est fini, hein, c'était la nouveauté du jour. Le reste, c'est archi connu, il y a des vidéos, des photos de partout. Voilà, bientôt.